Quand vous avez un œil de Dieu, vous pouvez voir, vous pouvez comprendre là où il y a le don de Dieu. En réalité, la sœur Angèle a vraiment un don que Dieu lui a donné. Et quand elle chante, elle peut descendre, vous voyez, l'esprit de Dieu et peut amener les gens dans l'atmosphère. C'est ainsi, on n'a pas choisi n'importe qui ou n'importe comment. Donc c'est avec une inspiration, on a voulu qu'elle puisse chanter. Parce qu'elle a vraiment les dons de Dieu avec elle. Parce que quand la personne a la chose, vous pouvez reconnaître elle la chose. Donc les dons ne forcent pas, ça se voit et ça se sent. Alors vous sentez réellement que la sœur a la chose là. C'est ainsi, avec l'aide de Dieu, avec l'inspiration, j'ai choisi afin qu'elle puisse chanter, puissions adorer Dieu ensemble avec elle. Voilà un peu ce qui m'a poussé à faire ce choix. Nous étions invités par la sœur Angèle Kombozi et c'est une sœur que nous aimons beaucoup. Et c'est l'une des richesses que nous avons dans le message, quoi. Et nous sommes venus participer au concert. Je crois que ça sera une bénédiction pour nous et voilà, pour les enfants de Dieu. Parce que Jésus a au contrôle, il y a concert, donc il n'y a ce que les camarades parce qu'il y a des moutons, à coordonner ma campagne surtout. For the brothers that have sent here, and for your presence in this place, if it wasn't for your presence, we wouldn't even have this place. I'm thanking you, brothers. May God bless each and every one of you. Before we call up our sister Angel, Thank you.
mon susuté obele yo oh wetima kili basolo oh yo siminga na loboko na yo yawe yawe bolona yawe zambe nanga elikia nanga sina yo Oh,
Je suis un peu plus de temps.
suka eh ebele ya bafo profete ba koto na lomboka eh ba koluka kozimi salite maya ba mosusu wala toko mona makambo nyoso na mokili eh kutumba koka bwana mapasi eko nginda na mboka eh oyana mwana moto solo ekobi pembeni eh seicheleka moninga mokolo yeba lute moto okosa yo te osima konima na yo makasi Sengelaka moninga ye solo moye na nzambe komi pembeni Sengela landa se matambe na yesu Sengela 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 C'est l'organisateur, c'est lui qui a fait que ces choses soient. Que Dieu le bénisse. C'est le pasteur de l'église. L'église est en bas. C'est Menorah Tabernacle. Le pasteur nous a cédé sa place parce que l'espace est vaste pour vous recevoir tous. Donc le pasteur James, c'est lui. James Wumba. Wumpa. Il est dans le premier niveau là, Menorah Tabernacle. Quand vous entrez, la première porte. Donc le culte, c'est dimanche de 9h jusqu'à 11h. Vous êtes les bienvenus. Ne fouillez pas. Amen. Pour ceux qui n'ont pas d'église, il y a votre place là-bas. Amen. Et le mercredi et le vendredi. Mercredi et samedi, nous avons des prières de consécration. C'est de 12h à 14h. On prépare l'église. Tout ce que vous entendez, l'ancien a parlé ici, ça provient de là. Le secret, c'est la consécration. Amen. Que Dieu bénisse Pasteur Wumba. Si peut-être il a un mot à vous dire. Amen.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur et je vous remercie aussi d'avoir répondu massivement à cette invitation. Je vois beaucoup de figures sont tout le monde est là, je ne peux pas citer des noms. Comment que mon Dieu vous bénisse richement. Et je crois que votre présence, ce n'est pas hasard. Vous n'avez pas perdu. Au contraire, vous avez bénéficié. Il y a beaucoup des endroits où vous pouvez aller, mais vous avez juste d'être ici. Et Dieu savait cela. Cette adoration va vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Et vous allez voir des changements. Amen, hein? Amen. Si tu as besoin de quelque chose, adorez simplement le Seigneur. Vous allez voir. Parce que nous sommes au temps de l'adoration. Vous n'avez pas beaucoup prié, c'est prononcer la parole. Adorez le Seigneur, vous avez la chose. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez, s'il vous plaît, applaudissez. Que Dieu soit béni. Bon, c'était un concert réussi, un concert merveilleux. On a vraiment eu le temps d'adorer notre Seigneur. Et nous sommes rentrés tous bénis et tous dans la joie. Oui, c'était pour moi la première fois de la voir en live comme ça, mais je ne regrette même pas mon temps d'être venu ici. C'était vraiment un concert béni. Et je remercie le Seigneur pour ses dons, pour ses talents qu'il a donné à notre sœur Angèle Kombos. Oh, ça s'était très bien passé en tout cas. Je suis content. Mon âme a bien mangé. Les baptêmes, on était à l'église. Alors, ils ont vraiment raté. Bon, on était là pour eux aussi. Dieu a fait grâce en tout cas. On était béni en tout cas, que Dieu la bénisse, que Dieu la remplisse. Na se pele sengwele kimini na motema se ranger la binisi biso ningi singa te makena za kina mali le bela binisi nga e sengwele kina motema lo ko lobeza te na komisi nzambe. J'ai aimé là vraiment de tout mon cœur, vraiment j'ai changé danser même. Je danse pas beaucoup mais j'ai dansé. Cela veut dire que c'était vraiment très bien. Nous étions bénis abondamment. Okay. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Le Chiquito comme Makasi, tu as fait un concert. Bah tu vas cantiser qui peut-être est simbaté mais simbi to longi to zaba longi. Dans ma pambo la vraiment hier qui est toujours liboso. Comme tu l'as dit Billy, vraiment ça a été une surprise parce que ça fait vraiment très longtemps que nous avons encore vu la sœur Angèle Kombosi en scène comme aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui était vraiment préparé. Elle s'était vraiment préparée en conséquence à tel point les enfants de Dieu ont bénéficié de ces grands dons qui est en elle. Donc, ça...